matériau qui nécessite une cachérisation. Parce qu'on va voir qu'il y a des effectivement, il y a des matières qui sont cachérisables et des matières qui ne le sont pas du tout. Concernant les matériaux cachérisables, on est toujours dans la Torah et Hachem va dire à Moshe, l'or et l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui est mis au feu, vous le passerez par le feu. Donc on a compris ce verset du départ. Tout ce qui est mis au feu, vous passez par le feu. Donc j'ai compris que tout ce qui a été utilisé par le feu et qui est devenu interdit à cause de ça, je dois le faire passer par le feu. C'est le principe de Kevolo Carpalto. Ce qui ne passe pas par le feu, entre parenthèses, mais par l'action d'un liquide, comme quand je fais cuire dans une casserole, dans une marmite ou dans une cocotte, tout ce qui ne va pas au feu, vous le passez par l'eau. Il s'agit là-bas de l'eau bouillante, donc c'est le procédé de la gala. Ou du oui, ça va dépendre, on l'a dit, du cas. Ou à froid, lorsque c'est à froid. Donc là, quel est le point commun dans tous ces matériaux que nous venons de citer? Quand Dieu va dire, l'or et l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui est mis au feu, vous le passez par le feu. C'est quoi le point commun entre toutes ces matières? Du métal. C'est du métal. Donc tout ce qui est métal nécessite une cachérisation lorsque ce métal est entré en contact avec un aliment interdit à partir de 45 degrés. C'est pourquoi, même les objets qui ne sont pas cités, mais qui sont des métaux comme l'argent, l'aluminium, l'étain, le fer, on l'a dit, le cuivre, l'inox, le plomb, l'acier, doivent être cachérisés. Il y a d'autres matériaux aussi qui nécessitent une cachérisation, le bois, la pierre, l'os. L'os, en 2018 effectivement, mais faut oublier qu'à l'époque, si on trouvait, je sais pas moi, l'os d'un un bassin d'éléphant, c'est quelque chose d'énorme, et on s'en est servi comme grande bassine, je vous donne un exemple, eh ben, l'os est cachérisable. Donc c'est une sorte de roche, le caoutchouc. Ensuite, par rapport à cela, il y a le cas du plastique. Un plastique dur, qui ne risque pas de s'abîmer lors de la cachérisation, est cachérisable. Un plastique qui risque de fondre et de se détériorer n'est pas cachérisable. Maintenant, concernant les matériaux que la Torah interdit, la Torah va dire, donc on est dans Vaïkra, chapitre 6, verset 21, le récipient en argile sera brisé. Hachem dit tout récipient en argile, donc qui aura été en contact avec un aliment pas cachère à chaud, devra être brisé. Qu'est-ce que ça inclut? L'argile, la porcelaine, la faïence, on verra aussi l'émail. Toutes ces matières, effectivement, elles vont absorber l'aliment interdit, mais jamais elles ne le rejetteront. Donc, tout ce qui est en porcelaine, faïence, fonte, argile à plus forte raison, impossible à cachériser, on jette. Le verre est un matériau qui ne nécessite pas une cachérisation. J'ai mis un aliment chaud dans une assiette en verre, le verre n'absorbe jamais les sucs. Donc il n'a pas besoin d'être cachérisé. Même si le contact avec l'aliment interdit était très 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 chaud, était bouillant, il suffira juste de rincer à l'eau froide. Les Ashkenazim ne l'entendent pas de cette oreille. Et pour eux, puisque le verre n'est pas un matériau qui a été mentionné dans la Torah, alors ils sont plus marmirim, ils sont plus rigoureux. Et le verre, ils ne l'utilisent pas s'il est en contact avec un aliment chaud. Mais nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème. On peut utiliser un ustensile en verre, donc une assiette, un verre en soi, s'il a été au contact d'un aliment chaud. Il n'y a aucun problème parce que le verre n'absorbe pas. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on procède à ces différents stades de cachérisation, que ce soit le liboun, que ce soit la gala, que ce soit le yiroui ou que ce soit l'eau froide. L'eau froide, on le met de côté. C'est pas la peine. On va parler des trois premiers. Premièrement, il y a une notion à savoir. C'est l'histoire des 24 heures. Le principe des 24 heures. La Torah considère que un récipient qui a absorbé des sucres, que ces sucres soient interdits ou permis, ces sucres restent, entre guillemets, savoureux pendant 24 heures. Si, par exemple, j'ai fait des pâtes, mercredi à midi, j'ai fait des pâtes au beurre. Jeudi, à 11h du matin, donc le lendemain, il n'y a pas 24 heures encore qui sont écoulées, j'ai mis de la viande dans cette casserole de lait, par erreur, et j'ai fait cuire la viande. Les sucres des pâtes au beurre que j'ai fait la veille vont ressortir sur la viande et vont avoir un effet dessus. Pourquoi? Parce que dans les 24 heures, les sucres qui avaient été intégrés la veille redonnent du goût, même si je ne sens pas, moi, personnellement,
redonne du goût à la viande. Et donc là, la viande est interdite à la consommation et l'ustensile est aussi interdit, il faut que je le cachérise. C'est le principe de noten taam lishvach. Par contre, si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la dernière utilisation, donc je reprends mon exemple, j'ai un ustensile qui est à la base halavi. J'ai fait mes pâtes au beurre dedans, donc toujours mercredi à midi. Et jeudi à 14 heures, donc plus de 24 heures après, j'ai mis de la viande dans cet ustensile qui est à la base de lait. Les sucs qui vont ressortir, donc absorbés la veille, qui étaient des pâtes au beurre, vont effectivement ressortir, on appelle ça noten taam lifgam, ils vont avoir un goût détérioré. Et donc aucun effet sur l'aliment que je vais cuire maintenant. C'est pourquoi ce morceau de viande que je vais cuire dans un récipient qui est de lait, s'il y a plus de 24 heures qui se sont écoulées depuis la dernière utilisation, notamment ici des pâtes au beurre, j'ai le droit de manger l'aliment, mais par contre, je devrais cachériser quand même le récipient. Ça, c'est que dans un cas de bédiavat, c'est si je me suis trompé. C'est que dans un cas où je m'en suis aperçu après. Donc, c'était involontaire. Donc, c'est ça le concept des 24 heures. Dans les 24 heures, les sucs qui sont rejetés par l'ustensile continuent d'avoir un effet, et dans ce cas-là, tout est interdit. S'il y a plus de 24 heures qui se sont passées, depuis la dernière utilisation, même si les sucres vont ressortir, ils ont un goût qui est détérioré. Et donc, j'aurai le droit de manger de l'aliment. Mais par contre, le récipient, l'ustensile, nécessite une cachérisation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'à chaque fois, quel que soit le procédé de cachérisation, que ce soit le liboun, la agala, le hiroui, à chaque fois que je vais cachériser, avant tout, je dois nettoyer à fond l'ustensile que j'ai besoin. Et ensuite, je dois laisser reposer 24 heures. Je vais revenir tout à l'heure sur les 24 heures. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser reposer 24 heures? Et donc, j'aurai le droit de manger de l'aliment. Mais par contre, le récipient, l'ustensile, nécessite une cachérisation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'à chaque fois, quel que soit le procédé de cachérisation, que ce soit le liboun, la agala, le hiroui, à chaque fois que je vais cachériser, avant tout, je dois nettoyer à fond l'ustensile dont j'ai besoin, et ensuite je dois laisser reposer 24 heures. Je vais revenir tout à l'heure sur les 24 heures, pourquoi est-ce qu'il faut laisser reposer 24 heures. Donc que ce soit, je répète, que ce soit le liboun, que ce soit la agala, que ce soit le hiroui, avant de procéder à la cachérisation, je dois d'abord nettoyer à fond et laisser 24 heures sans utilisation. Donc s'il s'agit du liboun, une fois que ces 24 heures sont passées, eh ben, je passerai au feu ce qui doit être passé au feu, qu'on a donné l'exemple tout à l'heure. Enfin, on a donné l'exemple de la broche ou bien de la grille du barbecue, d'accord, ou du four lui-même. Donc là, l'action du feu, ce sera la pyrolyse, si on a une pyrolyse. Si c'est un four normal sans pyrolyse, ben, ce sera au maximum la température, on va le laisser, disons, 2 heures allumée à température forte. Mais il faut absolument, avant chaque procédé de cachérisation, on a dit nettoyage à fond, 24 heures d'attente et ensuite cachérisation. La gala, comment est-ce qu'on procède à la gala? Donc, encore une fois, je dois répéter, il faut répéter. On nettoie à fond l'ustensile qui nécessite d'être cachérisé, donc prenons la casserole. On nettoie à fond, on laisse 24 heures au repos. Je dois désosser complètement la casserole. C'est enlever le manche. S'il y avait un joint, c'était une marmite, j'enlève le joint. C'est une cocotte, pardon. Les vis, j'enlève tout. Je nettoie à fond, 24 heures. Il faut qu'il n'y ait aucun résidu dessus et aucune trace de rouille. Et une fois que j'ai fait tout ça et que les 24 heures sont passées, alors là, je prends cette casserole que je veux cachériser et je la plonge dans une marmite plus grande d'eau bouillante. Il faut absolument que toutes les parois soient immergées dans l'eau. Il faudra veiller également, lorsque je plongerai la casserole que je veux cachériser dans la gala, dans la marmite qui contient l'eau bouillante, rappelez-vous, un corps froid qui rentre dans de l'eau chaude baisse la température de l'eau chaude. Or, la gala ne marche que si l'eau est à ébullition. Je dois voir les bulles. Donc quand je plonge ma casserole dans l'eau bouillante, je dois attendre que les bulles reviennent. Sinon, la gala n'est pas bonne. C'est très important. Une fois que j'ai bien immergé mon ustensile, je le rince à l'eau froide. Il y a un temps donné? Aucun temps donné. Il faut qu'il soit immergé en une seule seconde, ça suffit. Il est immergé totalement, je le ressors, c'est cachère. Alors maintenant, si c'est une casserole que je veux cachériser qui est trop grosse et qui ne rentre pas dans une autre marmite plus grande, on remplit cette eau à ras bord d'eau bouillante.
On met, donc bien sûr, évidemment, je nettoie à fond, je les ai 24 heures, je les désossé, il n'y a pas de rouille dessus, il n'y a aucune trace, aucun résidu. Je la fais bouillir. Et ensuite, il faut qu'elle déborde pour pouvoir recouvrir et tremper les parois extérieures. Comme on fait, deux façons. Soit je mets à l'intérieur, à la khadira, une pierre ou un métal qui fera déborder. Cette pierre ou ce métal que je vais mettre à l'intérieur pour faire déborder, il doit lui-même être chauffé au feu. Soit, si c'est difficile, la meilleure façon, c'est de prendre une bouilloire à côté. Donc, c'est une bouilloire qui est branchée, qui est bouillante. Je verse dans l'eau qui est à ébullition de ma marmite que je veux gâchériser. Et quand je l'ai versée, l'eau va déborder. Et j'ai procédé à la gala d'un ustensile qui est beaucoup plus grand. Il faut que le récipient qui sert de la gala, qui sert pour la gala, soit cachère. Maintenant, alors justement, pourquoi est-ce qu'on a parlé de 24 heures d'attente? Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait 24 heures qui s'écoulent après le nettoyage et avant de procéder à la gala? Pourquoi? On ne transmet pas comme ça. Parce que, exactement, dans les 24 heures, le goût qui a été absorbé dans le récipient, si au contact de l'eau bouillante, il va ressortir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me rendre invalide l'eau et le récipient qui est censé cachériser. Donc j'attends 24 heures pour que quand le goût va ressortir, puisqu'il est déjà rendu dit de gamme, il est détérioré, il n'a aucun effet. Enfin, troisième procédé de cachérisation, c'est le hirouille. Comment est-ce qu'on fait le hirouille? Pareil, d'abord je nettoie la surface que je veux cachériser à fond, je laisse attendre 24 heures, et ensuite je procède au hirouille. Le hirouille, c'est donc de l'eau bouillante que je prends et que je verse sur la partie que je veux cachériser, sur l'ustensile que je veux cachériser. Attention, le hirouille doit se faire du bas vers le haut. Par exemple, voilà, admettons, ça c'est mon ustensile. Je veux cachériser cette surface. Je ne dois pas faire le hirouille à partir du haut et laisser couler parce que ce n'est pas l'écoulement qui doit cachériser la surface, c'est le jet lui-même. Or, si je commence d'en haut, la surface va subir l'écoulement, mais pas le versement. Surtout que quand je vais faire couler, au contact de l'ustensile, l'eau va refroidir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour cachériser par hirouille? On part donc du bas vers le haut. Je verse pour que ce soit le versement qui effectue la cachérisation et pas l'écoulement de l'eau bouillante. Donc dans mon évier, je partirai de la bombe, donc d'évacuation, vers les parois vers le haut, comme ça. D'accord? Et ensuite, je rince à l'eau froide, comme dans tous les procédés de cachérisation. Donc je le nettoie à fond, j'attends 24 heures, et je prends un verre d'eau savonneuse, j'allume, et je laisse jusqu'à ce que ça pète à l'intérieur. Et je nettoie. Et je nettoie. Je rince. La plata, comment je cachérise? Kebolo, carpolto. Comme elle est devenue pas cachère, je la rends cachère. Donc si j'ai posé dessus, en cachère, c'est du khamet, qu'est-ce que je fais? Je nettoie à fond. J'attends 24 heures, je laisse chauffer. Donc, rajoutera dans la sécurité, une feuille d'aluminium. C'est très facile. Encore une fois, faut avoir en tête le kebolo, carpolto. C'est très facile. Encore une fois, faut avoir en tête le kibalo carpolto. J'analyse comment est-ce que le récipient est devenu pas cachère. Ben, la façon dont il est devenu pas cachère, c'est la façon qu'il le rendra cachère. Donc, si c'était par le feu direct, ce sera le feu direct. Si c'était au contact d'un liquide, ce sera la gare. Qu'est-ce que c'est?